C'était il y a 50 ans, le 25 mai 1963, au lendemain d'une première vague d'indépendance, 32 pays africains se réunissent au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. 50 ans plus tard, le nom a changé pour Union africaine et les membres sont au nombre de 54. Ils étaient réunis ce samedi au siège de l'organisation à Addis Abeba, en Éthiopie, afin de célébrer ce cinquantenaire. Pendant les années sombres du colonialisme et de l'apartheid, nos leaders ont sacrifié leur vie au nom de la liberté pour tous sur notre bien-aimé continent africain. L'injustice leur était insupportable et ils ont choisi de se battre pour le changement. Ils ont mobilisé leur peuple contre le racisme, l'injustice, la discrimination. C'était des leaders inspirés et guidés par de grandes convictions. À l'occasion de ce jubilé, les membres de l'UA ont choisi de se concentrer sur plusieurs problématiques, parmi lesquelles le panafricanisme et la renaissance africaine. Concrètement, ils appellent de leur vœu à une plus grande solidarité régionale. Les responsables de l'organisation devraient notamment demander à ce que le procès du président kényan Uhuru Kenyatta soit transféré de la Cour pénale internationale à la justice kényane.